J'ai mal là en plus. Déshabillez-vous, monsieur. J'ai mal. Qu'est-ce qui s'est passé là? Prends un mec qui n'a pas été mis. Allez. Oh ben, je... Et j'ai entendu le boom. Ah bon? Allez, ils étaient quoi? Passé 11h30? Il y a 2 jours de ça. Et je pensais que c'était un. Parce que moi, j'aurais commencé les dents sur battant. Et je croyais que c'était un imbécile qui s'était tapé le truc qu'il y a sur le pont là. Ah oui, le compresseur. Le boucle là. Et je me dis, oui, il y a un pété qui est venu se taper là-dedans, quoi. J'ai entendu clac, quoi. Puis je vais sortir le machin hier, je regarde, je dis, oh ben merde. Non. T'as pris tes papiers et tout? Ouais. Tournez à gauche, E420 M5 en direction de Charleroi. J'ai pris ma convocation, j'ai pris des vignettes parce que vu qu'ils avaient eu des problèmes d'ordinateur, elle m'a dit, écoutez, vaut mieux avoir des vignettes sur vous dorénavant, mais j'en avais plus, parce que j'avais fait une demande à la mutuelle. Ces imbéciles-là s'étaient trompés l'adresse. C'est pris de la ville. Et ils avaient marqué sous le bout de la ville, ces imbéciles-là. C'était pas pareil, hein, je dis. C'est pris de la ville, et sous le bout de la ville. Pas le même, hein, je dis. On va vous renvoyer, désolé, dans 3 jours vous aurez ça. Ouais, d'accord. Et voilà. Tu l'as créé, Solidaris. Solidaris, il y a pareil pourtant là-bas. Ah, moi, quand j'y vais, je vais à l'appareil. Mais moi, ça fait une ville. Ah, comment tu sais s'y aller? Ouais, mais comment maintenant? C'est pas des cliniques là. Ouais, mais c'est mutuel aussi. Et quoi, tu sais avoir aussi? Parce que comment? Une fois, j'avais été. Quand j'avais plus de vignettes, je vais là-bas. Je me dis, je vais à la mutuelle. La mutuelle socialiste, c'est là. Puis j'emmène en bas, me dit. C'est polyclinique, hein, qu'elle me dit. Je dis, mais c'est des vignettes. Ouais, ben, c'est ce rendez-vous. J'ai comment je fais. Bon. Vous montez au-dessus. Je monte au-dessus. Et personne. Oui, mais je pense maintenant qu'il n'y a plus qu'un petit bureau en dessous. Non, Il y a un petit congé aussi. Et puis déjà à ce moment-là, elle me dit, ouais, maintenant c'est la polyclinique de Chine ici. Je dis, moi j'ai toujours que vous savez, j'ai 40. J'ai toujours connu ça, Solidaris, mutuel, quoi. Et c'est même mon père qui construit ce bâtiment-là. Oui, mais ça, bon, je sais pas, arrivé après dans mon rue. Et alors, comment. Et je dis, moi, c'était pour faire une demande de vignette. Ah, fallait au-dessus, c'est sur rendez-vous, de toute façon, montez au-dessus, allez voir. Au-dessus, je vais voir, mais personne. J'ai mis à personne. C'est fermé, c'est pour aujourd'hui. Oh là, tout ça, il y a un en plus. Je vais déjà passer plus tard, merci beaucoup. Je dis, et puis alors, j'ai fait une demande par. Que l'assistance sociale par sur Internet. Avec Internet. Elle m'a montré un truc avec mon GSM. Je clique Solidaris, tu vois, dans le machin Solidaris. Alors, tu peux avoir des demandes. J'ai besoin de prendre comme ça, je sais quoi, je suis venu pour la prochaine. Moi, quand j'en avais besoin, j'allais souvent chez Solidaris. Ils étaient encore à l'étage et il y avait une machine, en fait, tu rentres ta carte d'identité et tu prends. Tu les avais direct? Direct. Ouais, ouais. Et puis, une fois, je suis allé, la machine était en panne. Après, il y a eu le Covid, donc ils ne pouvaient plus y aller. Oui, pas dans la pompe. Assez, donc, un point à couler.
Moi, j'irai t'amener, je t'apporterai ça dans ton... Hein? Je t'apporterai dans toi un petit truc pour toi. Apporte-moi la culotte de votre femme, plutôt. Ouais, désolé, ils vont voir. Elle veut déjà pas me la donner. Tu lui chopes, pas tu lui donnes. Hein. Tu l'auras pas pour ça non plus. Si je la lance, la prêtera. T'es de 40 ans. Ça va, moi, t'es pas allé. Chercher même pas de miel, ils ont comment qu'en boutique. En fait, quand je fais dans la piscine, je mets l'autre en distillée. Bah ouais, je vais pas monter ça. J'avais demandé quand j'avais été chercher le poulain, il me dit bah, écoute, j'en ai plus qu'un pour qu'il me dit. Je dis je suis en train d'en faire du nouveau, il faut qu'il faut qu'il m'insère. J'ai ben ça va, et j'ai quoi, t'aurais 5 ans, ben, tu viens d'une sainte semaine. Bon. Fin du mois de septembre. Ça va, ça va, je passerai. Ou alors, on est pas octobre. Traverser le rond-point. Je cherche la première sortie. Ouais, vraiment bon, franchement. J'ai pas encore goûté. Ouais, donc, ça fait. Je passe du pain, ça, je mange plus de pain. Donc, Tartine, mon ami. Oh, mon Dieu. Délicieux. Une tasse de café. Moi, tu me mets ça pour souper. Ah oui. Pour bonheur. Hein. Ah ouais. Moi, ton sac à bouquet de vie, pour ta main. Ben j'aime bien, de toute façon j'aime bien la viande, hein. J'aime bien le cochon. Avec moi j'aime bouffer de la viande grillée. Hein. Ah mais tout ça. Tu vois, cochon grillé, du bœuf, de l'agneau. Ben ouais, mais quand je fais un barbecue, je vais me taper la cabane des chasseurs, tu vois. Alors, ben ouais, tu peux rien faire nulle part ici, alors... J'aurais dû y passer hier, putain, j'ai pas... Quand j'étais plus jeune, on se permettait quand même, tu vois, c'est d'aller à la plage des sports, ouais. On se faisait un petit feu. Là, on se prenait une quête cailloux. Un barbecue comme ça. Ouais, ben ils avaient, ouais. Puis après, ben, il y a des connards qui ont été pétés, puis c'était supprimé. Mais moi, plutôt que moi j'allais, il y avait pas encore ça. Alors, on prenait une grille, on prenait quatre rochers dans la rivière, on se foutait là, les flics passaient. Attention de ne pas foutre la salle les jeunes. Ouais, pas de problème, c'est l'agent. On repassera voir si vous n'avez rien laissé traîner. Hein. On prenait tout. Il a toujours été. Non, là, je... Bon, allez. C'est ça qu'il faut. Ça, j'éteins. Ça, j'ai pas besoin. Déjà,
marché, hein, ce machin-là. Moi je dis maintenant, tu vois, que tu sois pilote. Bon, tu as ta ceinture, bon, c'est ton problème, tu viens de tuer, voilà. Maintenant, si tu as des gosses ou si tu as des passagers, d'accord que la ceinture, mais après, à toi. Allez, toi. Tu vois ce que je veux dire? Je n'ai pas de gosses. C'est... Ouais, mais tu vois, je veux dire, tu, tu mets ta ceinture, de toute façon, tu as tué. Si tu n'as pas ta ceinture, mais tu t'es tué, voilà. Ah, mais oui. Pourquoi te foutre une amende? Que c'est ta vie, quoi, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, comme je dis, ben, tu aurais des gosses ou des passagers, tu leur dis, ben voilà, ceinture obligatoire. Mais c'est pour logique. Ça que si par exemple, ils sont sur arrêté, que tu n'as pas ta ceinture, c'est toi qui payes l'amende, c'est pas moi. Ouais. C'est le gros avantage. Ah ouais, ouais. Avant c'était le conducteur du. Ah ouais, ouais. Mais bon, quand t'as des gosses, le minimum c'est une mettre en sécurité. Mais t'as un PV, si t'as pas de siège, que le gosse fait moins de 30 sur cette taille. Ouais, ouais, ouais. Et prenez la deuxième. Ouais. Je sais l'endroit où ton fils vient passer. Ouais, il a loupé son père. Ouais, il a loupé, ouais. Je l'appelais, je m'inquiète. Perjour. Et alors que je lui ai dit. Mais pourquoi t'achètes pas une Tesla, c'est automatique. C'est ça quoi. Je ne sais ni ce qu'il me foutit, mais. Je sais pas. De toute façon. Il stresse, mon avis. Mais je lui avais dit, hein. Tu vois, le gars qui lui a appris à conduire, c'est pas un méchant gars. Enfin, tu vois, je suis en mitige avec lui parce que c'est une pièce de fou. Hein. Quand il a jugé blanc, voilà. Voilà. Mais il lui a appris à conduire, d'accord. Mais c'est comme je lui ai dit, Jean-Tony. Tu m'as pas encore écouté, tu m'as encore pris pour un con, un imbécile. Et papa il connaît rien, papa il sait, voilà. Toi tu sais tout, papa il sait rien. Je m'avais dit, prends du pilote. T'as le droit à ça. Tu cherches quelqu'un, mais juste ce gars-là, il va t'apprendre à conduire, mais il n'est pas assez patient pour te faire faire des créneaux et tout ça. Et, il n'a pas étudié ça assez. Tu vois, elle était fusée, il était très à cause de ça. Voilà. Alors il doit après conduire, mais tu vois, dans un virage où tu dois être à 30 pour le passer, et lui il a l'habitude de conduire, il va passer à 50, et lui il doit après conduire comme ça. Et quand il a passé son permis, le gars il dit non, tu es calme. Et le gars il dit, ouais, mais comment après conduire, on a pris, je ne connais pas traîner, tu vois, pour ne pas gêner les gens. Non, non, qui dit faux, non. Toi tu as un L derrière, tu passes ton permis. Tu es prioritaire et les gens ont qu'à attendre. C'est à toi d'être patient et tu dois être patient. Elle dit, ben voilà. Et je lui dis, tu vois, tu m'aurais écouté, ben oui, tu me dis, oui, je sais bien, ben oui. Et on dit toujours que ça, je sais bien après que. Trop tard de mettre ce masque quand tu es tué. Ah ouais, c'est trop tard. Mais trois fois, merde. C'est ça. Ça copie une 19 fois qu'il m'a dit. Ah, je ne sais pas. J'ai eu des maisons de Dieu, quand vous avez des enfants, il y a un intérêt à leur dire. Parce que c'est ça, quoi. Ils vont ouvrir la tête. 19 fois, mais je n'aurais pas dit ça. Non, mais quelle court, équipe, quelle équipe. Il est court pétard en Véron en ce moment, je ne sais ni ce qu'il a courant. Mais putain, toi. Je te jure, il est désagréable envers moi. Ah bon? C'est. Oh. Il est méchant. C'est un bon type, hein. Tu peux lui demander ce que tu veux. Mais il a quelque chose à envers après moi. Enfin, il a quelque chose qui ne va pas. C'est avec moi qui va se tourner, c'est moi qui va me prendre plein dans la tronche, quoi. Et j'ai merde, pour finir, j'ai entendu, puis je dis, t'es bordélique, j'ai dit, pour finir, ouais, mais tu râles tout le temps. Et j'ai dit, ouais, mais allez, j'ai entendu, t'as 27 ans, bon, j'ai un jour où tu vas, j'ai dit, ta femme, tu vas te mettre avec ta femme, c'est ta femme qui va être la bonne, je sais quoi, je dis. Elle a pas l'air qu'elle se laisse faire. Bah oui. Oui, oui, ça arrive, ça. Tout cette période comme ça. Alors, il est désagréable en ce moment. Il n'y a pas de parole, rien du tout. Ah ben, déjà bon, jusqu'à ma PlayStation, tu vas tout appeler, la question que je te dis. Ben, j'ai pris mon chien, il était à la plaine des sports, il était à la foutre à l'eau, et puis voilà. Je me suis planté avec mon chien, j'ai été tapé des troquets de mort. Ouais, on va chercher dans l'eau, puis je me suis amusé pendant une année avec mon chien. Puis je suis rentré, c'était tout calmé, puis. D'accord, ça va, t'es calmé maintenant? Ouais, bah pardon, quand même, bah, pardon, allez. J'ai dit, putain, Anthony, je dis, on a qu'une vie, bordel. Je suis pas en très bonne santé, mais je dis, je ne reste pas malheur, mais je dis, je
peux mourir demain comme je peux mourir dans un mois. C'est imprévisible, ça. Mais je dis pas tellement, je dis c'est trop tard, c'est après qu'on regrette. Hein. Et pourquoi tu fais la gueule tout le temps comme ça, ou t'es désagréable, va voir un psy ou je sais pas si t'as besoin de parler à quelqu'un. Je sais pas moi. Je vais dire, sa mère m'en a fait voir parce que sa mère avait la main légère. Moi, ça, j'ai jamais apprécié ça, tu vois. Parce que j'en ai eu assez dans la gueule par ma mère, je sais ce que ça fait. Je l'ai souvent soutenu, tu vois. Mais je l'ai trop, pour moi, je l'ai trop soutenu. Mais tu vois ce que c'est ça, et qu'il a perdu sa grand-mère. Et sa grand-mère, c'était comme si c'était sa mère, tu vois. Et puis, moi, je l'ai élevé, ben, comme j'ai pu, tu vois, comme j'ai pu, quoi. Il n'a jamais rien manqué, j'ai toujours trimé ma panse, il a toujours rien mangé dans son assiette. Il dit, t'es en train de me faire subir des trucs que ta mère t'a fait subir à toi. C'est pas moi qui dois manger ça, hein, je dis. Je comprends pas. Alors, quand j'essaie de parler avec lui, j'ai rien à dire. Ben, allez, Anthony. Content de parler avec toi. Ouais, ben écoute, de toute façon, je ne regrette pas, hein, bien loin de là. Hein. Mais si j'avais essayé de faire pareil, tu serais retiré à temps. Oh, malheureux, j'aurais mis deux capotes au milieu. Ben Dieu. C'est pas pour me vanter, me lancer des fleurs, hein. Et je dis, c'est une heureux d'avoir un père comme t'as eu, hein. Parce que moi, t'aurais eu un père comme moi j'ai eu, mon gars. Moi, c'était des mains dans ma gueule, hein, vieux. C'était pas, abaisse ton froid que t'en mets une, hein. C'était pas, hein, et des revers, je dis. Parce que ma mère, elle adorait ça. Deux bagues, hein. Pac. Alors, bam, elle allait, hop. C'était des coups de raclette, hein. Ouais. Je dis, ouais, mais ça c'était ton temps, ce qu'il dit. Je dis, ouais, c'était mon temps, mais je dis, c'était malheureux que. Pourtant, tu as des mêmes positions, t'as des hommes ou des femmes. Ouais. Et puis, des petits, ils sont très bons. Non, peut-être. Chercher, tu pars 1h30 de conduite. Tu vas conduire pendant 1h30, aller voir 2h. Je dis, mais qu'est-ce que tu vas apprendre en 2h? Ouais, et je dis, il n'a jamais été à Charleroi. Il n'a jamais été à Charleroi. Et je ne sais même pas ce que c'est, rien que j'ai eu bordé dessus. Allez. C'est quoi ça? Un petit clapin à conduire comme ça, c'est pas facile. Non.
aussi, donc il est commun à Nîmes. Ouais, ben, commun à Nîmes. Et j'ai Aldi. Ouais, et puis il a été juste au-dessus de ça. Voilà, et c'est ce qu'il a fait. Il est allé à Charleroi, et donc on est dans la circulation. Ben, c'est ça. Créneau, se parquer, s'entraîner, mais c'est ça, hein, quand c'est pas joli, parce que j'en ai. Hein. Et, de toute façon, je te dis, ce mec-là, c'est des cornets, hein, tu vois, c'est... je sais pas si tu avais entendu parler, là, une cornée, enfin, c'est pas une cornée, c'est une... pas une dubuque, une... comment est-ce que c'est... C'est une grossesse comme tu dis, un gosse, là, comme ça, là, c'est une nièce, ce gars-là, tu vois, c'est un taré, les cornets. Hein. Raymond Cornet, tout ça, je sais pas si tu connais. Non, mais je vois. Il y a un de ses fils qui travaille chez Beta King, et la mère travaille là-bas. Enfin, la fille là, ce gars-là, quoi. Elle veut à celui qui a appris à conduire Anthony. Mais c'est d'un millier de tarés, ce mec-là. Il n'est pas patient. Il n'est pas patient. Et puis. Ce que j'ai pas compris, c'est qu'il m'a demandé de conduire et qu'on était déjà mitigé, tu vois, en mitige entre lui et moi. Tu vois. Et je dis, mais pourquoi est-ce que tu es demandé à lui? Je dis, il n'a rien à foutre, hein, lui. Je lui ai dit, j'ai raté mon permis. Il a fait un sourire ainsi. Il dit, j'avais une banane. Je dis, mais pour être la preuve par là qu'il n'en a rien à foutre, hein, je dis. En fait, il t'a appris à conduire, ouais, il t'a appris à montrer comment une voiture conduit aller, quoi. Passer première, deuxième, troisième, quatrième, ouais. J'ai ça, on m'a appris aussi, hein, ça. Je dis, la voiture, je sais le faire, hein. Je dis, pas de problème, hein. J'ai t'as pas assez conduit de 1 et de 2, il t'as pas assez fait, assez travailler tes créneaux. Montant en scooter, tu sais monter ici. Ce qui m'expliquait qu'il ne faisait pas toucher la borne en face, ben, le machin. Je me dis, mais quand tu fais un créneau, tu te portes bien comme ça, autant que tu n'avais pas de raison, tu paniques, quoi. Ouais. Pas compris. Ouais. Bon. Il a mal conduit. Oui, mal et le démarrage en côte. Mais puis, avec les voitures maintenant, tu sais, tu lâches le pédale, attends 3 secondes avant de reculer, tu as le temps. Puis, ouais, tu es loin, tu as le démarrage en côte, tu dois faire 150 fois le démarrage en côte. Ouais, c'est ça, quoi. Avec un main, sans un main, tu dois savoir démarrer la voiture. Tu vois la rue Charlemont, là, quand tu passes la falaise le long de la rivière, ouais. Chez une côte. Oui, oui. T'as montré ça, il t'a fait freiner en plein nuit d'un coup, je dis en bas, hein, parce que quand t'arrives, donc la côte elle fait ça légèrement, tu vois le tour, et puis après ça te monte, mais toi moins raide. Mm-hmm. Mais le début monte fort raide. J'ai dit, t'as pas arrêté là et faire démarrer. Il me dit non, je dis, moi j'ai pas fait ça là. Dit, moi je serais curieux d'aller avec toi là, et te montrer comment tu montes là-bas. Je dis, je sais pas, tu ne monteras jamais. Si, ça m'étonnerait. Je suis certain qu'il ne va jamais. Il me dit, ben, j'étais à. Comment au Rue de Rome. Il y a une grande côte ici. J'allais là, la côte, elle fait 10 km. Je dis, on pente à 8 degrés. Je dis, si c'est pour monter ça, je dis, à frein à main, je dis, c'est logique. Que, ben oui. Si tu vas la monter, la côte. Il y a des trucs. Hier, en venant de Charleroi, je demandais pour les. Tu sais, au rond-point, parce que là, il y a deux ans. Je lui dis, quelle sortie on va se mettre pour. Puisqu'on va tout. Ben, l'hésité quoi. Ouais. Première, deuxième, j'ai dit, mais non, c'est le premier, c'est deux. La première. Si tu reprends le rond-point, tu reviens sur la deuxième. Et si tu reprends, oui, c'est ça. Tu voilà. Sais, mais la troisième sortie, tu reviens sur la deuxième. Ouais. Mais bon, c'était des bêtises, après de savoir. Ça ne savait pas, tu vois. Il y a encore moins de gens qui veulent ça, tu vois. Ouais. Tu vois, minimum, quand tu reprends le permis, c'est ça. Ouais. Qu'est-ce que tu veux? Ben, je lui ai dit, hein, moi, je vais repasser mon permis, je ne veux pas. Ouais. C'est ouais. Conduit, mais il n'y avait pas de goût. Ouais, ben c'est... Je vais te passer de tout près, mais si déjà là-bas, c'est bien, là, ouais. Tu vois pas les trucs qui t'a fait foutre là-dedans, je dis. Allez, dis, t'as coûté combien, je dis, jusqu'à maintenant. Il m'a pas dit combien il avait payé. J'étais heureux chez Barra, je dis. T'as raté ton permis 3 fois, je dis, Anthony. T'imagines les thunes que tu leur donnes à l'État? J'ai appris une bonne fois à conduire. Prends quelqu'un qui conduit depuis des années et qui est calme et qui sait t'apprendre à conduire. Et puis passe ton permis, je dis prends ton temps. J'ai là, t'es pressé. T'es, ouais, mais je dis, mais tu sais pas conduire. Je dis, enfin, si, tu sais conduire. Alors quand je dis ça, ouais, toi, tu sais tout faire. Je dis, non, je sais pas tout faire. Je dis, moi, je dis ça, c'est pour toi.
C'est toi qui passe le permis. Allez, tu vas mettre tes salaires là-dedans, là, je dis. Ta voiture, c'est bientôt un recette, et puis vous venez avoir le permis. Avec un aile de riz, je vais rester collé, le machin, imprégné dessus. Bergeau, je te jure, c'est... Ben, moi, j'étais persuadé qu'il aurait eu, quand j'étais parti chez ma soeur pendant qu'il passait, ma soeur habite pas loin. Hein? Et quand il me sonne, ma soeur dit, donc je vois, je me dis, il l'a eu, parce que vu le temps que ça avait pris. Et ben non, je l'ai pas eu. C'est comme la première fois où il a loupé, qui passe le stop. Ouais. À la sortie du machin, il vient me prendre la voiture, il prend un stop. Bah oui, c'est ça. Oh. Ah oui, allez. Oh. Allez, bah, c'est un normal, ça. Ça aussi, je lui dis, allez. Allez. Le deuxième coup, je ne sais plus ce que c'était. Non, mais je croyais qu'il était stationné, l'autre qui me dit. Alors moi, j'ai voulu le passer, qui dit. Alors je me suis mis sur la bande de gauche. Je vois que j'étais une petite là, je dis. J'ai allez, entendu, je dis. Ah oui, c'était 35 qui roulait à base de 30. 35, oui. Ouais, mais déjà, tu perds plus de vitesse alors que tu passes ouais. Le permis. C'est ça, quoi. Ouais, je lui dis, l'autre est trop brut, tu vois, trop neigeux, quoi, tu vois. Alors, je lui dis, oui, lui apprend à conduire, mais pas. Mais quand tu dois apprendre quelqu'un à conduire, il faut te mettre dans la position d'équipe et tu dois respecter tout, vraiment tout. Voilà, ben ouais. Que lui, ben lui, ça fait, ben oui, ça fait 30 ans qu'il a son permis, le gars. Tu comment ce que lui conduisait, mais ben voilà. Alors, il lui a montré comment ce que lui conduisait, mais il lui a appris comme ça, quoi. Et fallait, non, fallait pas. Et le gars, le moniteur lui a dit chez Barra, comme il m'a dit, le gars qui t'a appris trop brusque, et que tu dois pas, tu dois être patient. C'est, ouais, c'est en licence qui dit, tu apprends ton permis, tu dois pas montrer un mauvais exemple, quoi. Genre, comme ça, okay. Allez. Ouais. Et puis là, maintenant, ben, je ne sais pas ce qu'il va faire, je te dis là. Ça fait deux, trois jours qui me parlent plus. Quand est-ce qu'il a repassé au mois de novembre, c'est ça? Je te dis, je sais pas. Il y a du boulot. Je sais pas. Si je crois que c'est au mois de novembre. Il n'y a, enfin, a pas de rendez-vous avant novembre, mais il faut qu'il réapprenne, parce qu'il ne passe pas. Hein. Ben oui, ben. Tu sais, le mec, il le sent. Hein. Ben je suis tombé sur un mauvais. Mais... Non. Si tu respectes, mauvais ou pas mauvais, tu l'auras. Si tu respectes pas, ben là, tu casses. Ça, c'est sûr. Ça, si tu tombes, ouais, comme il dit, oui. Tomber sur un mauvais comme tu peux tomber sur un bon. Mais tu dois quand même respecter. Ah bah oui, ça, voilà, point. Même si mauvais, le mauvais, c'est même, même si, voilà. Mais même si mauvais, il peut être mauvais comme tu dis, mais si tu as bien fait tes manœuvres, si tu as bien fait tes créneaux, si tu as bien fait ta conduite, je vois pas pourquoi le mec il va sanctionner. Je comprends pas ça. Hein. Donc maintenant, je te dis, je sais pas ce qu'il va faire. Je sais pas. Bah, il va leur passer, qu'est-ce que tu veux dire? Bah, oui. Je te dis, je ne sais pas, je sais pas la procédure, c'est toi qui viens de me dire qu'il passait au mois de novembre, enfin qu'il allait passer au mois de novembre, je te dis, il ne me parle pas, il me dit rien. Il allait m'inscrire à la commune, hein. Moi je devais rien prendre. Il t'a demandé à toi alors? Ah d'accord. Tu sais, avec moi tu vas faire des créneaux déjà, des démarrages en cours, tout ce que tu dois savoir. Ben voilà, le principe là. Ouais. Je lui ai même dit, Anthony, le gars à côté de toi, moniteur, dans zone 30, il a à prendre 2 km/h. Le gars, il a envie, il fait tu rentres, hein? Tu peux plus maintenant, mais c'est 30. C'est 30, hein, je dis. Maintenant, 50, quand c'est 50, tu peux dépasser un petit coup. Mais 30, c'est 30. 30, c'est 30, ouais, hein, c'est. Ils sont très stricts sur ça, hein. J'ai dit, même si t'as 32, ouais, t'exagères, non? Non. T'as 32 km/h, mon gars. Le gars, s'il te dit, t'as, écoute, là, t'as une zone 30, t'as 32 km/h, tu fais demi-tour, on rentre. Ouais. C'est tout à fait son droit, je dis. Hein. Alors, je dis, quand je dis, ouais, attends, tu sais toujours, toi, tu sais, quand il est une zone 30, il roule à 25, et puis voilà. C'est ça, vous roulez moins à 30. Ben voilà. Hein. C'est comme j'ai dit. De toute façon, moi, on m'a toujours dit, dans tout système, on est parti une heure plus tôt pour arriver en bonne santé et arriver, voilà. J'ai dit, ben ça c'est pareil. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui. C'est à quelle heure que tu dois être là, toi? 3 heures. Non, c'est bon. Voilà. Je crois que c'était 2h30. Non, 2h30, j'ai retiré ça faisait 1h30. Plus un quart d'heure. Ouais, mais si c'était à 3h, c'est ça. Mais j'ai déconné, je ne sais plus quelle heure, je voulais qu'on parte. Je comprends.
regarde au fond, on a les tutos et j'ai été pris direct. Bah oui, c'est ça, bah oui. Donc, tu vois, là-bas, c'est bien, c'est pas comme chimé, quoi. Ouais, si j'ai besoin d'un homme, tu m'appelles. Ouais, t'inquiète, je pense à toi, j'ai ton numéro. T'as un quart d'heure plus tôt, t'inquiète. Laurent arrive. Tu vois, Laurent arrive, mais vite. Ah, bah je vais tirer déjà Marron avant d'arriver. Route 66. Route 69. Aïe, aïe. La voisine est venue visiter la maison. C'est en face. Ben ouais. Ouais. On lâchera pas. Hein? On lâchera pas. Non. Quand je lui ai dit, j'ai dit tout. Mon frère, il voulait m'acheter aussi, mais je lâchera pas. Il ouais. Connaît en plus. C'est lui qui a remplacé les pneus. Le Corsa, les pneus qui m'aiment. Ouais. Il aurait pu prendre le BM, tu aurais dit. Ton frère, c'est un gros malade. Mon beau-frère. Ton beau-frère. Non, c'est un. Blanc maintenant. Assez grand, mais mince, je pense. Il n'est pas venu visiter. Non, je croyais qu'il était venu visiter. Alors, l'autre qui a la grosse maison à côté de chez Marie-Ange. Oui. Il aussi venu voir visiter. Mais c'est avec les enfants, là. Ouais. Toute l'autre baraque, l'ancienne baraque au Patinis. Hein. Ouais. Patini qui avait le casino et tout ça, il y avait le casino à l'époque et la patine quoi. Allez. S'il y a deux radars. Alors moi j'explique aux gens, j'ai écouté, je dis d'ici. À 12 mètres, tu dis. Et là, il y a eu un affaissement de la route et tout ça. Les tuyaux ont été écrasés. Ça a été remplacé. Mais j'ai quoi, ils ont remplacé ça. Puis, tu sais, je me regardais comme si je savais l'histoire. Et puis après, je leur explique. Mais j'ai écouté, je sais ça parce que quand les mères qui sont remontées de l'attaque des loups de la cave, j'avais sa mère dans la cave, je dis. C'est le gars qui est venu me déboucher et tout. Et il m'a montré la caméra. Alors en fait, ils ont fait une jonction. Donc de chez moi, à où il y a eu la cassure, ils ont mis un petit tuyau comme ça. Mm-hmm. Après, il y a une jonction, mais l'autre tuyau est comme ça. Ouais. Tu vois. Ça fait que là, ben là, il y a un rebord, et là, les merdes et tout ça, ça se tague là. Et quand ça se bouge, ben, ça remonte jusqu'à la maison. Ouais. Et quand ça dégueule, mon ami. Ma soeur habitait juste à côté de chez toi, c'est chez le huissier. Ouais. M'expliquer que chécher vider ses graisses dans l'égout, en fait ça remontait dans l'oscar. Ah ouais, ouais. C'est chécher qui bouchait tout à l'époque. Ouais. Et c'était déjà les mères de tuyaux qui devaient déjà remplacer à l'époque. Donc ouais, ça remonte à des années. Ah, c'est des abattoirs, pourquoi en fait moi je dis, grande notaire, ouais, elle me dit, c'est un problème. On s'est vu tout soi-même, je dis non, c'est pas assez. C'est un problème de la commune qu'elle vit là-bas. À chaque élection, le futur bourgmestre vient voir Marc, parce que Marc aussi est emmerdé, ainsi que tu sais où il y a le parterre à côté de chez lui, il y a une partie. Elle aussi est emmerdée. Uh-huh. Et donc à chaque élection, t'as notre futur bourgmestre qui vient, on va s'arranger, on va faire ça. Et il n'y a jamais rien. Après, c'est oublié. Et après, comme le notaire, il me dit ainsi, mais ça, ça la combine à faire ça. J'ai écouté. Moi, quand j'ai eu ce problème-là la première fois, parce que j'ai eu ça en 13 ans que je suis ici, j'ai eu 4 fois la fac, je dis, c'est la propriétaire qui devait payer M. Bornier qui venait de Montmigny avec son tracteur pour déboucher et tout. Je dis, ça lui coûtait 150 euros. Je dis, ma propriétaire a été voir la commune. Et c'est au frais de la propriétaire parce que tout démarre de chez elle. Et tout est accepté. Dans ma soeur, c'était les pompiers qui venaient. Et un coup, il y a le pompier qui a mis le tuyau, le tuyau a pété. Ouais. Et le mec était rempli de merde. Ouais, je me rappelle de ça. J'habitais déjà là quand les pompiers étaient venus. C'est 70 ici. Mais il y avait comment. Il y avait de l'eau, plein de parking. Tout était. Ah oui. Pondé d'eau, quoi. Sur des bords, là. C'est quand même un coup de complète ville.
à l'air pratique. J'ai un pote qui travaille à la commune, avec toi qui a fait, il travaille en article 60, il devait être embauché, puis il n'a pas été embauché, enfin je n'ai tout quoi. Et il me disait, bon, tout courant, ils ont annulé, enfin ils ont supprimé 17 avaloirs. Vous pouvez avoir plus facile pour les nettoyer. En attendant, ça bouge tout partout. C'est comme les barrages qu'ils ont tirés, si les vieux avaient mis des barrages, il y en a pour un. Ben c'est ça. Ben maintenant on n'a plus qu'on deux. Voilà. Mais ils ne savent plus rien gérer puisque tout a été retiré. Ah ouais. Mais s'il y avait ça, c'était qu'il y avait une raison. C'était qu'il y avait une raison. On est con à ce point-là. Ouais. Alors il y en a un certain. Oh oui, mais c'était parce qu'il y avait un moulin. Ben oui, mais non, il y avait deux barrages. C'est ça quoi. Oui, tout ça, qu'est-ce que tu veux. Bon, ici on t'achète bien ce qu'on se bourrait. Ah non, c'est là aussi, c'est un peu. Hey. Bon, tu veux, il y a qu'ils embouteillages à Charleroi, putain. Allez. La merde. La maison appropriée à la falaise, là. Ouais. Elle a été revendue déjà celle-là. Ah oui, directement, je me demandais, ma soeur m'a demandé, à mon avis, parce que logiquement, elle aurait dû en garder une des deux, je pense que c'était la tienne qui avait gardé, mais si, j'ai vu qu'elle avait demandé déjà l'autre, mais C'est l'autre, c'est vous qui l'a racheté, de toute façon, ouais. Il l'a racheté pour son fils. Elle est entrepreneur, qui mange bien, il va tout zinguer là-dedans, et mais celle-là, la rue de la ville, elle va avoir lieu à la vente. Ouais, elle est mal foutue. Mal foutue. Mais bon, ça ne fait pas de trottoir. Non, tu n'as pas de trottoir. Tu n'as pas d'arrière, tu as l'arrière, non? Tu n'as rien, non? Tu n'as pas d'arrière. Tu n'as pas d'arrière. Rempli d'humidité. C'est du coin, tu sais, où il y a notre rue, où il y a le bus qui passait dans la couche pour 25 000 euros plus tard. Où il y a les vitres, là non, pas côté de chez toi, dans le tout le long, en face du Sabaradis, là. Ah oui, oui, oui. Mais dans tout le long, celle-là, 25 000. 25 000 euros. Sac à 40 000, on jamais la vente. Hein. Allez. Il te parle 25 000 euros. 25 000 euros, c'est cher. Ouais, elle a l'abandon là. Je crois qu'ils avaient fait tout le machin. Comment Donc c'est de l'autre côté de la rue. Ouais. Ouais. Donc en face de toi, mais près du pont. Quoi. Ouais, c'est celle qui fait quoi. Anciennement, un magasin, c'est un magasin. Un magasin, ça. Ouais. 25 000, vous avez déjà acheté ça. Et c'est pas. Il y avait des travaux faits. Tu montres que c'était cette. C'était le Tibet. C'est pas de nom. Je sais plus. Je vois encore le petit mur. Thibaut, comment est-ce que c'était qui a acheté ça? Le nom, je ne sais pas, mais le petit vieux avant. Michaud, c'était. Michaud. C'était chez Michaud. Je crois qu'il y a encore le train. Oui, il y a encore la banque de train. Ils ont bien venu. Chez Michaud. Oui, nous, ils l'ont laissé parce que. C'est un monument classé, on ne peut pas l'enlever. Ah bon, vous plaît. Parce que je le voyais plus, machin. Comment c'est Thibaut. Attends, comment est-ce que c'est le Tibet qui a racheté ça. Enfin, c'est un qui était friqué de. Ouais, mais maintenant c'est 750 le loyer, je pense. Ah ouais, 750 ou 100 euros. Mais là, ils n'ont rien du tout. Et là, t'as rien, quoi.
Non. Donc, pas de trottoir, mais alors là, non, t'as pas de trottoir. Pas d'arrière. Non. Ah non, franchement, il y a toujours des toujours au coin. Ouais. Je me rappelle combien de puits sont pétés leur côté. Ah ouais, je m'en doute. Tiens, s'il est temps qu'il fasse la route. Je m'en doute. La prothèse avait mis des vasins. Ouais, demain c'est prise de sang. Okay. À 10h ouais. À 10h30 matin, je suis chez le médecin. Ils ont le corps devant aussi un Skoda. Ça c'était la première Skoda ça. Ouais, la première, ouais. Parce que j'avais une maison qu'on avait acheté une. Jean Chavet. J'avais acheté une Skoda Peugeot, je me rappellerai toute ma vie. Et elle avait un quelques grands coffres que j'ai montré. Moi j'étais étonné de voir que c'était. Mais je me suis dit, tu vas à ton moteur. Non, non, c'est mon coffre qui me disait. J'étais tout gamin, moi. Mais bon, tu dis mon corps, je dis, ah ouais, hein. Le moteur était derrière, je ne savais déjà pas. Je pensais que c'était des Porsche et des Ferrari, mon corps, et tout ça. Non, ce qu'on a fait, c'était ça aussi. Matin, je vais sortir mes chiens, bah, allez, quoi. J'arrive dans les allées, Berlave commence à me toucher. Voilà. Berlave, allez, merci, bonsoir, allez, hop. Ah oui, parce que c'est qui, on t'en touche toujours, une goutte, hop, putain, putain, et hop, la bouteille poussée, putain. C'est un pape, j'ai enfin un dieu, je rentre à la maison, c'est du plus goutte. Ah ouais. Ah ben ouais, ben ouais. Thank you.
travaillé, il me restait un paquet de pizza, j'étais les mettre au four. Quand j'étais resté, fois que mes chaînes ne mangent pas, je mets au four, tu vois. Que mon malinois. C'était là, je crois que ça y est, j'ai ouais. C'était l'autre. Contraire de la sauce blanche ou sauce tomate, elle pète, elle a la chiasse, sauce fragile. Donc il y a les poules, je vais donner un il me reste des pâtes, tu vois, la sauce blanche, mais c'est encore pareil, tu vois. J'en reste une partie, j'ai dans l'outil avec des croquettes, mais je ne rends pas beaucoup, sinon elle a pris la chiasse, on sait que les pâtes. Pour aller voir, là je me suis inscrit à une agence qui font des logements sociaux en fait. Je me suis inscrit à des agences et j'ai rendez-vous demain à 14h30 au RIPI. En face de l'ETD là. Elle m'a dit t'inquiète pas, je vais regarder tout ça, et puis le téléphone, elle m'a dit mais écoute, elle m'a dit qu'il y a un nouveau truc que tu viens de faire ici dans la région, mais alors que j'aurai un suivi par semaine pour venir voir chez moi, voir quoi je vis, voir si c'est un salut et tout ça, pour avoir des points, pour dire que je suis malade. Ça peut rentrer dans les critères. Alors elle me dit viens mercredi à 14h30, on va parler de toi et puis on va essayer de trouver un truc qui est de vie. Mais c'est chouette. T'as le quartier complet, ah oui. C'est déjà bon. Alors, faut rentrer là-dedans, être désagréable par la personne. Ouais. Mais après, t'es jugé comme antisocial et marginal, et c'est déjà bon. Ah, mais je me le disais, quoi, les gens, la cité, ils ont peut-être un petit appart. Là-dedans, tout le monde se mêle de trop de gens, je me vends mal vivre là-dedans. Oh, c'est une question, ouais.
J'ai deux gamins, quoi de fond je vais faire ce cuisine. Mais moi je bois pas, hein, c'est... moi je suis pas. J'aime pas boire. J'ai vécu des paroles colo, j'ai dit bois, j'ai pas. Ben ça, je... voilà. Mais j'ai dit, on va faire ça, j'ai une fois de temps en temps, je dis, on va s'installer au Verset, on se monte à ce là, on se prend un petit pillot, tu vois, on sirote ça pour tout le monde, je dis, ben ouais, tu me dis, mais à part sa PlayStation, est-ce que vous êtes, moi j'ai tout seul. Tu sais, moi j'y vais, les gens me voient deux fils, c'est parce que je picole. Directement les gens, c'était jugé alcoolo. Bon, c'est vrai que moi je suis pas une. C'est un discret. Ben voilà. Pas, ils ne me regardent pas, hein. Comme je dis, moi, ça ne t'appelait pas, mais ils ne te regardent pas. Hein. Ils ont. T'as pas élevé les cochons ensemble. C'est ça, quoi. Dans la journée et puis ça prend l'énergie du soleil, elle sort, ça s'éclaire quoi. Ah ouais, bien, comment elle met le soir la nuit. Hein? Est-ce qu'il y a plus de noir? Ah, ben, ils ont commencé à chimer B2, entre B2 et chimer, genre. Puis il m'a montré, c'est vraiment bien, c'est bien. J'ai passé le seul coup. C'est le coup aller voir, je dis, franchement... Ça va plus le permis. Ben oui, c'est ça, quoi. Ouais. Ben, moi, j'ouvre jamais, moi. Ben, tu vois, c'est très ben, tu sais, moi, ma jeunesse, je suis déjà tout expliqué. Hein. Tu vois, j'ai perdu mes deux ongles dans un accident de voiture. Mon grand-père handicapé, qui a perdu son premier gamin à 12 ans dans l'accident de voiture en face du sud de Bercy. Tu vois, je viens de Marienbourg. Il a resté paralysé à vie. Deux ans après, c'est son gamin de 18 ans qui va se tuer sur la route de l'eau avec des amis en bagnole. Moi, ma mère, moi, j'ai toujours entendu ma grand-mère me dire toute ma jeunesse, soit je ne voudrais pas mourir comme le gamin, tu sais, qu'elle me dit. 40 ans après, une quarantaine d'années après, elle meurt dans les mêmes circonstances, sur la route de ses soeurs, en face de la chapelle Makita. J'ai passé deux fois hein, de ma théorie. J'ai fait une fois 37 et une fois 39, il fallait 41.
j'ai abandonné, je sais que j'avance, c'est que c'est qu'il me faut pas. J'ai juste une de ça, je. Si on lui a pris les bagnoles, les assurances et les taxes. Oui, bah, ah oui, bah, ça est bon, je fais. T'achetais un bel écran, un écran en couleur, là, ben si t'avais pas des parents qui travaillaient à deux, ça va t'acheter une TV, ça coûtait 40 000 francs belges, hein. Et tu pourrissais, c'était, ça ne te coûtait rien du tout. C'était un luxe de t'acheter une TV, maintenant c'est le contraire. C'est un luxe de te nourrir et d'acheter une TV pour 300 euros. Allez, allez, on se trouve là. On va à l'envers, quoi. Acheter des TV, commencer à les manger. Démonter. Tu regardes la télévision, des titres. Ah ouais, ouais, c'est ça. Ouais, mais ça te donne envie de manger. Mais ouais, mais bon, ça coûte cher, le prix. J'aime bien aussi quand tu regardes des trucs, tu vois, des trucs qui te font des petits dîners tout prêts, là, tu sais, que ça va vite à préparer. Et quand tu regardes, il te faut tchik, il te faut tchak, il te faut tchik, il te faut tchak. En 10 minutes, vous avez un petit repas prêt, nickel. Ouais, je veux bien, mais tu peux t'acheter les ingrédients que tu dois acheter là, mais ton repas te le met comme si tu allais au restaurant, et bon. Après 600 mètres, allez tout droit, B901. Qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui? 30, 50, 30, 10. Là tu tournes un pont. Comment ça s'appelle déjà la flèche là? Tu vois, une flèche. C'est une flèche noire ainsi, puis t'as une petite. Tu vois, c'est prioritaire, mais ça porte un nom cette flèche là. J'en ai un pote qui m'avait déjà dit, mais je ne sais plus comment ça s'appelle. Comment est-ce qu'il m'avait dit que ça s'appelait? Tu vois ce que je veux dire? Hein? Ouais, c'est le route principal, et puis c'est comme si t'avais un petit chemin qui. Bon, tu peux en voir, mais. Oui, bon, on vient d'en voir une là, mais. Fixe. Oui. Monsieur, oui. Après 400 mètres, au rond-point, tournez à droite et prenez la première sortie, N905. Ouais.
fait tout. Donc, première sortie, d'accord. Le péché. Rond-point, tournez à droite et prenez la première sortie. Si c'est le kick. En fait, je vais aller à côté. Tu vas aller là? C'est vrai. Bah, il me chante, mais généralement, ça se fait. Après 300 mètres, ouais, vous avez atteint votre destination d'accord. Sur la droite. Ouais, c'est vrai, l'autre fois, on était. Ah, bah, je suis marrant, Paul Picure, toi déjà. Non, t'entends. Après. Ne me précipite pas comme ça. Bon, c'est ici, non c'est après. Ouais, c'est après, c'est ici. Le camion. Vous avez atteint votre destination sur la droite. Là, avenue Albert-Premier 185. Pont de machin. Comme d'habitude. À quelle heure t'as ton machin? 15h. 15h, ouais. Et il est 14h38, c'est bon, on est bon. On est bon, hein. C'est bon, on est bon. Il n'y a rien, il n'y a pas de place, comme d'habitude. Là. Petit vieux, là. C'est quand même grave de, d'avoir un hôpital en plein centre-ville ainsi et de ne pas prévoir le parking. Allez, ne fût-ce que de faire un parking au sous-sol, quoi. Ben oui. Je sais pas. Non, pas de bonne. Si on suit l'autre, chaque coup, il va nous prendre la place avant. Ah, mais j'ai un handicapé. Merde. Deux choses, là. Alors, là. Oui, ben, je suis bien. À la fin de la route, tournez à droite. Ouais, mais ça c'est trop. Ça passe pour toi. C'est trop. Là, on peut pas. Là, on peut non plus. Plus garé ou de là. Là, on peut non, il va se faire photographier. Ouais, un peu de. C'est d'office, hein. Ah, il est bloqué. Oh putain. T'as fait ta Pokéball? Non. Hop, bagnole dans la pocket et. Ça serait pratique quand même, hein, ça. Ce serait effectivement pratique. Bon, on va reculer, je vais pas prendre les garins. Là-bas, j'ai envie qu'il recule, mais une camionnette qui est là, donc je suppose que le camionnette va le prendre. Il y a une couronne qui peut faire une voiture et éviter de se tâter. L'autre, qu'est-ce que c'est vrai, hein. C'est un petit cul. Ça bat plus, moi, c'est vraiment voiture. C'est pas plus, merde. Qu'est-ce que c'est quoi, ça? Et allô? Allô, bonjour, je suis bien avec madame Poutan. Oui, madame, mais je ne suis pas disponible pour l'instant, je suis à l'hôpital, là. Alors, voilà. Pas de problème, merci, au revoir. Tournez à droite. Merci. N80, avenue Albert 1er. Je suis bien chez madame Claudie. Ouais, Claudie, je savais bien que t'étais comme ça, toi. T'étais un drôle. Mon esprit, madame Claudie. Pourquoi ce gars-là, lui? Ben, tu ne peux pas, la camionnette.
trop long. Culé. Bon, bon, bon. Chasse handicapé, handicapé, handicapé. Handicapé. Handicapé, il y a des places, hein. Putain, pour une place handicapée. Un handicapé, là, mais prendre une place handicapée, du tout, scout. Ah, je sais pas qui, elle est là. Mais là, on sent, parce que si elle cherche un... petit vieux. Il est en train de chercher le petit vieux, on sent. Ouais. On va rester dans le coin ici, alors. Ouais, 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 reste là. On va l'aider même à charger le petit vieux. Ouais, ouais. Je viens quand même, monsieur. Moi, j'ai l'habitude de la charrette, hein. Mon grand-père est handicapé, il y avait une charrette à la charrette. Ah non, 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 ça va pas. Oh, oh. Ah non, viens, on laisse passer, on laisse passer. On nous a fait espérer, hein. Ouais, 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 ouais. Et il pouvait très chercher, ça. Tournez à gauche, puis, à la fin de la route, tournez à droite. L'autre, il nous fait tourner à gauche, à droite, qu'est-ce que c'est que ça veut dire, ça? Bon, par là, il n'y a rien, là, par là, oh, il y en a une qui est sur le parking, là, donc, à moins qu'elle soit rentrée. Une petite place, ici, là. Non, c'est bien, c'est impossible. Oh, putain. Qui est mieux, c'est lui. Là, on peut pas se mettre, non, on peut pas se mettre. Ouais, ouais, tu l'autres, là, celle-là en face. Un handicapé, il y a des places handicapées, il va prendre des places normales. Ouais, c'est ça quoi. Oh écoute, putain, les gens sont cons. Ouais, c'est horrible qu'il y ait ouais, des gens qui font rien. Tournez à gauche, N80, avenue Albert 1er. Bon, puis, là, c'est un coup, à la fin de la route, tournez à droite. Il y a une place là. Tant bizarre. C'est une petite biche là. Une voiture. Ah, bah, chaque coup, t'en as un devant toi, tu veux dire que. Bah oui, chaque coup, hein, s'il y a une place qui se libère, bah, on la fait là-bas. Mais c'est pas une place là, non, c'est pas une place là. À la fin de la route, tournez à droite, non. N80, avenue Albert 1er, puis faites le tour du rond-point et prenez la troisième sortie. Oh, tu l'as su se mettre là, lui. Mais il peut pas non plus. Non. Mais là, ta camionnette, gars. Je ne sais pas comment il a repéré. La BM, là, elle peut pas éteindre. Non. Bah écoute, voilà hein, ben, tant pis hein. Très petit tour et puis c'est bon. Hein? Très petit tour et puis c'est bon. Bah oui. Tu peux descendre un peu. Ouais, bah, je vais descendre, là je vais aller voir si tout va bien. Je vais laisser ma bouteille ici. Ouais. Moi je vais te retrouver à 66 hein. 69, ça va être 69, ça va? En forme. Attends, je pense qu'on va commencer. Ouais, ouais. Voilà. Évite de te dispatcher quand même. Ouais, tout de suite. Ah, tout de suite. Ah, c'est le bon. Oh.